Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, j'ai vu un truc. Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing un peu spécial, comme vous l'avez vu dans le titre, puisque je ne sais pas ce que je m'apprête à ouvrir juste après. Je m'explique. Il y a quelques temps, le site YesStyle m'a contacté pour savoir si je voulais recevoir quelques produits de leur site internet. Et comme ça fait vraiment très très longtemps que je louche sur les produits YesStyle, je me suis dit mais ouais, carrément. Rapidement, comment j'ai découvert YesStyle? Tout simplement, je suis une youtubeuse canadienne, Romy Victory. J'aime beaucoup son contenu et j'adore son style vestimentaire. Et à chaque fois qu'elle montrait quelque chose, elle disait « Oh, ça vient de YesStyle, ça c'est YesStyle ». Donc je suis allée sur le site internet et vous savez, j'ai rempli mon panier, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 20 articles dans mon panier. Sinon c'est pas drôle. Donc là, quand YesStyle m'a proposé de m'envoyer des petites choses, j'ai pas dit non. Donc je vais rester très impartiale sur les produits, vu qu'en plus c'est ma première, vous allez avoir ma première impression. Je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est vraiment totale surprise. Sur le thème Stay Cozy, Stay Warm. Me dit, ça va être peut-être des trucs un peu cocooning, sympa, très hivernaux. Très rapidement, je vous annonce mon code de parrainage qui est simplement Macchiato. Je vous l'écris ici et je vous le mets le lien en barre d'infos. Ça vous fait des petites réductions supplémentaires en plus de toutes les réductions qu'il y a en ce moment avec le Black Friday. J'ai vu des moins 80%, donc il y a grand moyen que moi-même je passe une petite commande incessamment sous peu. Sur le site de YesStyle, on trouve donc des éléments de mode, mais aussi beaucoup de beauté asiatique en général, dont de la beauté coréenne, qui sont réputées pour être vraiment la crème de la crème. On commence tout de suite, je vous montre l'objet du daily. Le voici. Bon, alors je prends une petite paire de ciseaux, c'est plus facile. J'ai trop hâte. Alors, je vais essayer de pas tout casser et de pas trop me spoiler. Je vais prendre les articles un par un. Ok, waouh, il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs. Je vous montre, j'ai juste ouvert comme ça et je vais prendre au hasard ce que je trouve. Qu'est-ce que c'est? Une écharpe? J'adore. Je suis trop fan. J'adore les bérets. J'en porte un dans ma vidéo idée de tenue pour cet automne. Il est rouge, mais alors bordeaux. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Par contre, au niveau de la taille, j'ai une assez petite tête. Et il me va bien. Donc à voir s'il y a des tailles possibles. Mais sinon, si c'est une taille unique, sachez que voilà, faut pas avoir une grosse tête. Parce que moi, j'ai une petite tête et... Je le perds pas loin de là. Est-ce que je le garde? Ça va pas spécialement bien avec le jaune, non? Je sais pas. Bon, on va le garder jusqu'au prochain article. Du coup, deuxième chose. Oh oh oh. Vous voyez par contre, papier bulle, les produits sont super super bien emballés. Hein. C'est très compacté, mais c'est super bien emballé. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. J'ai vu un truc. Là vous vous dites, mais elle est malade d'être aussi contente pour ça. Ce sont... des chaussettes, je pense, oui. Oui, des chaussettes avec des avocats dessus. J'adore l'avocat. J'ai une peluche en forme d'avocat. Attendez, je vous montre. Voilà l'une de mes peluches favorites. C'est un petit avocat que j'adore. Et j'adore le goût de l'avocat, j'adore l'emblème de l'avocat. Là, vraiment, en termes de motifs, je pense qu'on pouvait pas trouver meilleur motif pour moi. Regardez, elles sont hyper belles. Vraiment iconique. Après c'est très personnel là pour le coup les avocats. Qu'est-ce que c'est? Des petits gants peut-être? Ah oui, et les chaussettes avocats, faudrait que je les essaye, mais c'est du one size. C'est peut-être, à la limite, le seul truc qu'on pourrait peut-être reprocher à YesStyle, c'est qu'il y a beaucoup de choses en one size. Alors, j'ai eu un doute, mais non, non, c'est bien ça, ce sont bien des petites mitaines. Et on a un petit bouton juste ici, donc voilà, sinon des petites mitaines. Ah, j'ai un look comme ça là, en intérieur. Donc ça, très utile, très validé, très, très sympa, très sympa. Madecassaoid and Cream. Une crème pour les mains. Ils ont vraiment fait un starter pack d'hiver. C'est une odeur qui est agréable, pas trop forte. Voilà, ça sent le... Ah non, le Madecassaoid. Voilà, débrouillez-vous avec ça. On continue. J'aime déjà. Elle est très grande. Et au bout, il y a des petits fils comme ça.
Bon là les couleurs ça va plus du tout moi. Mais regardez-moi ça. Elle est trop belle. Vous allez dire mon vocabulaire il est un peu restreint. Mais en même temps je vais pas vous dire autre chose que j'adore. Alors que je suis trop fan. Juste il n'y a rien d'autre à dire. Bon je commence à avoir chaud moi. Il fait chaud quand même chez moi là. Je vais enlever ça quand même. Elle est énorme le colis en fait. Ok, des petites oreilles, c'est... franchement c'est choupi. Hop, voilà. Oula, ça descend bas. Franchement je ressemble à rien dans cette vidéo. Alors ça, on va dire que ça fait bien partie du stay cozy, stay warm, mais à moins qu'il fasse vraiment très froid, je suis pas sûre de les mettre quoi. Par contre elles sont super douces, genre vraiment. Même l'intérieur est très doux et... vraiment, ça fait très doudou. Petit fleece lined legging. Ok. Ok, c'est un legging, mais genre, il est vraiment d'une épaisseur très flex. Oh, oh l'intérieur. Regarde l'intérieur. Je sais pas si on va voir. Ça a l'air, quand je vous dis chaud, mais c'est genre chaud. Par contre, je pense que faut pas être hyper épaisse. Je crois que c'est du one size. Alors, même si c'est extensible, je pense que si vous faites plus qu'un 38, ça va être compliqué. 34-36, je pense que c'est idéal. Est-ce qu'on n'arriverait pas au dernier? Si. My god. Oh my god. Alors, je sais pas ce que c'est, mais déjà c'est à l'effigie d'un panda. Donc on peut arrêter là. Donc on a une petite fermeture en dessous. C'est un petit plaid avec des pandas dessus. Genre vraiment, là le pour un plaid, c'est petit. Genre tu peux mettre... si je suis en cours, genre... mise en situation, je suis en cours en visio, hop, j'ai un petit peu froid, je mets ça sur mes genoux, ça me recouvre mes jambes. Un bonheur. Tu le ranges dans ton petit coussin panda. Bon, on arrive déjà à la fin de cet unboxing. En fait, je pense que le fait de ne pas savoir ce qu'il y avait dedans, c'était encore plus sympa que quand tu sais ce que tu as commandé. Après, j'aurais pu ne pas aimer et ça se trouve, bah, vous allez pas kiffer la moitié des trucs, mais là franchement faudrait être difficile pour pas kiffer tout ça. Si je devais choisir, allez, un truc que j'aime le moins et un truc que j'aime le plus, je pense que je dirais que j'aime le moins, je dirais les oreilles parce que c'est pas ce que je vais porter je pense. Et ce que j'aime le plus, j'hésite entre plein de trucs dans ce que j'aime le plus. L'écharpe elle est hyper chaude et douce, le béret bordeaux je suis fan. C'est trop dur. Et le truc panda, franchement je suis incapable de dire celui que je préfère. Et les chaussettes avocat, j'ai oublié les chaussettes avocat. Franchement c'est trop dur de dire que je préfère. Bon, je pense que ça s'est vu au travers de la vidéo que je suis complètement conquise par tous les produits. Franchement, je vous mets toutes les références des produits que je vais retrouver sur le site. Je vous les remets toutes en barre d'infos. N'oubliez pas le petit code promo. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et vous abonner pour plus de contenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !